Bonjour et bienvenue sur Téléafrique. Je suis Dadou Henri Joël Zama. Téléafrique Group est une entreprise BTP, une entreprise immobilière. Nous sommes en pleine canne, voilà, une période festive ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Yamoussoukro, la capitale politique. Téléafrique Group encore va vous présenter des promotions ici à Yamoussoukro, des promotions de terrain. Et nous avons déjà un site qui est déjà approuvé, c'est un rattachement au niveau du village. Mais ceux qui vont acheter des grâces, le guide n'est pas encore complet et puis les documents ne sont pas encore finalisés. Il faut donc attendre quand vous achetez le terrain, c'est pour ça que ça va être un peu moins cher. Donc vous allez attendre un certain moment avant de commencer à faire votre compulsoire, vos dossiers pour pouvoir faire la demande de l'ACD. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous nous contactez. J'avais filmé avec le drone. On vous avait présenté un site, c'est toujours dans le même village, Dougounou Kwadiokro, pour certains Kikro. C'est juste sur l'axe Yamoussoukro-Boiflé. Donc c'est le troisième village communal quand on quitte Yamoussoukro Centre. Ensemble, on va faire le trajet pour aller sur ce site-là. Je vais encore soulever le drone, vous présenter encore ces opportunités. On a encore des terrains groupés. On a des terrains, deux terrains collés, on a quatre terrains groupés. On avait présenté quatre terrains groupés qui sont déjà partis. Et là, on va encore vous présenter d'autres terrains. Ce sont des terrains de 500 mètres carrés. Le prix, c'est 4 millions de francs CFA. Et ce sont des terrains cash. Donc, c'est des terrains que vous payez cash. Vous êtes intéressé, vous venez visiter. Les terrains sont nettoyés, brûlés, toutes les bonnes sont là. Vous achetez votre terrain aujourd'hui, on vous donne votre attestation. Donc, maintenant, là, quand vous achetez, il n'y a pas de demande à entreprendre pour aller faire ACD. Il faut bien écouter la vidéo avant de nous contacter. Vous venez acheter, on vous donne votre attestation. Vous êtes propriétaire terrien, vous pouvez exploiter votre terrain. Et c'est comme si vous faites partie du village, donc c'est votre terrain à vous. Et une fois les documents sont régularisés, c'est l'agrandissement du village. Une fois les documents sont régularisés au ministère, mais en ce moment-là, vous pouvez, on va vous convoquer ou bien on va vous notifier. Et puis vous allez continuer à faire les documents de vos terrains. Voilà. Donc les terrains, on achète par réseau, par affiliation. Nous-mêmes qui sommes ici là, on n'est pas propriétaire terrien, mais on achète par réseau, on n'achète pas n'importe comment. Parce que c'est un terrain, c'est de l'argent, c'est un bien à vie. Et c'est des choses que vous achetez pour donner à d'autres personnes. Donc ce sont des garanties. Donc on n'achète pas n'importe comment, on achète là où on peut faire un bon marché, où on peut travailler sans aucun problème, sans litige, où la documentation est claire. Parce qu'on travaille à long terme, donc nous ne voulons aucun problème. On prend toutes nos dispositions. Donc, une fois nous achetons quelque part et qu'on revend, ce n'est pas seulement pour avoir de l'argent, c'est parce qu'on est sûr de ce que nous faisons. Voilà. Donc, tout de suite, là, on va sur les terrains rapidement et puis on va vous les présenter. Donc, vous vivez en même temps au rythme de la canne. Hein. Vous voyez les taxis, Yamoussoukro et Zo. Donc ici à Yamoussoukro pour la CAN, nous avons reçu la délégation, c'est-à-dire le continent, les Camerounais, c'est ici qu'ils vont jouer, le Sénégal, la Guinée-Conakry et puis la Gambie. Voilà, donc c'est ici que ces pays-là vont jouer. Et la CAN, ça commence aujourd'hui, hein. Nous sommes le 13 janvier 2024. Et c'est la cérémonie d'ouverture, c'est à Abidjan. Donc voilà, ceux qui sont à Abidjan, ils vont en profiter au maximum. Nous sommes à l'intérieur, on va vivre ça à la télévision. Et voilà, mais ça sera la même fête. Hein. Donc il y a des villages CAN, tout le monde est prêt, les maquis, tout ça. Vous voyez un peu les drapeaux un peu partout des différents pays. Voilà. Donc en même temps, nous on est sur le terrain pour vous présenter des opportunités. Il n'y a pas de repos, on ne se repose pas trop. Voilà. Donc on prépare notre repos éternel. Donc tant qu'on vit, il faut travailler. Souvent on s'arrête un peu juste pour boire de l'eau. Mais ce n'est pas un repos à temps qu'il. Donc voilà. Tout au fond, vous voyez la basilique. Hein? Vous voyez la basilique. Et vous voyez tout au fond. Et ici, nous allons prendre la voie, l'axe qui va à Daloa, Boiflé Daloa, pour aller visiter nos fameux terrains. Ce sont des opportunités en or. Voilà. Donc nous sommes ici. Nous quittons à Morofé. Vous voyez, hein? Je ne vais pas couper la vidéo. Tout ça, c'est important. Quand vous voulez acheter un bien, il faut regarder les contours.
Donc regardez les vidéos jusqu'à la fin. Comme ça, vous n'allez pas demander c'est situé à combien de minutes, c'est à combien de kilomètres. Là, c'est une vidéo. Nous avons débuté, nous avons démarré depuis Morofe. Pour ceux qui connaissent Yamsokro, Morofe chez les Bani. Donc c'est là-bas que nous sommes, que nous avons pris le départ. C'est là-bas le point de départ. Et puis maintenant, vous chronométrez pour voir le nombre de minutes que nous faisons du centre-ville jusqu'au site. Voilà. Donc nous sommes en train de partir. Ici, vous avez l'hôtel Onyx. Voilà. Tout ici, c'était vide, hein, les clôtures que vous voyez là. Dès que le plan directeur a été validé, mais les gens sont rassurés maintenant, ils sont venus clôturer leur terrain. Voilà. Et nous, nous continuons pour aller sur notre site. Tout ce que vous voyez au fond là-bas, ici, on vous avait présenté même des terrains également ici, qui sont partis. Voilà. Et là, nous sommes au niveau du premier village communal de Yamsoukro, qui est Aboua Kouassikro, carrément un quartier de Yamsoukro, un grand quartier de Yamsoukro, tout est loti. Vers ce côté, c'est derrière la basilique. Les terrains sont très chers là-bas. Vous voyez, Aboua Kouassikro. On vient de dépasser la pancarte. J'ai pas eu le temps de filmer. Donc là, nous sommes en train de partir à... Après Aboua Kouassikro, vous avez Bonzi. C'est la voie qui va à Gestossi. Hein. Or, maintenant, quand on dit terrain à Yamsoukro, c'est après Gestossi. Or, nous, nous n'arrivons même pas à Gestossi. On vient de dépasser le bus. Donc, tout ici, il y a le bus, il y a les taxis. Voilà. Il y a les grands hôtels même. Ça, c'est une station qui est en cours de construction. Et là, voici l'hôtel Diaspora. Un grand hôtel ici, un complexe hôtelier. Voilà. Et là, les villages sont collés. Est-ce que vous devez savoir? Ici, nous sommes à Bonzi. On vient de dépasser Aboua Kouassikro. Et là, nous sommes à Bonzi. Donc, tout ça, ce sont des lotissements. Tout ce que vous voyez là, vous voyez avec les poteaux, tout ça. C'est ça qu'on dit terrain. Ça, ce sont des lotissements. C'est tout ça qui devient centre-ville. Mais même ici, on n'a plus de terrain ici. J'ai pas encore eu de terrain ici à ce niveau là. Je sais que tout est vendu. Voilà. Donc là, nous sommes à l'entrée de Bonzi. Bonzi aussi qui est devenu un quartier. C'était un village communal, mais qui est devenu un quartier de Yamsoukro. Tout est construit. Voilà. Tout est construit. Voilà. Et juste après Bonzi, nous sommes à Dougounou Kouadjokro, là où se trouvent les terrains. Donc actuellement, depuis Morofe, nous sommes à 5 minutes. Nous sommes à 5 minutes de trajet. Voilà. Depuis Morofe, nous sommes à 5 minutes de trajet. Et c'est le village Dougounou Kouadjokro que vous voyez devant là-bas. Il y a d'autres qui appellent là-bas Kikro aussi. Je ne sais pas si les deux sont mélangés. C'est confondu. Voilà, mais dans les documents, c'est Dougounou Kouadjokro. Donc, bon, si se termine ici. Et puis, Dougounou Kouadjokro commence ici. Et c'est ici que nous avons les terrains. Donc, nous avons encore 4 terrains collés, 2 terrains collés, et puis d'autres terrains dispatchés. En fait, l'unité, ce sont des terrains de 500 mètres carrés à 4 millions de francs CFA. Vous voyez ici, Dougounou Kouadjokro. Voilà, et les terrains commencent ici. À partir d'ici, tout ce que vous voyez là, là où il y a l'antenne, tout ça, c'est le lotissement. Le village est là. Tout ici, tout est construit et ils ont décidé d'agrandir le village. Donc, les terrains qui sont ici, tout a été loti. C'est ça le rattachement. Donc, on ne va pas à des kilomètres pour pouvoir trouver les terrains. C'est juste derrière le goudron. Donc, c'est au bord du goudron. Les terrains sont ici. Tout ce que vous voyez là, ce sont les terrains là, les terrains en question. Donc c'est juste en face du village.
c'est une continuité du village, l'agrandissement du village. Voilà. Donc tout est déjà loti, les ouvertures, toutes les attestations sont déjà partagées. Donc ils sont juste en phase de finalisation des guides. Voilà, pour pouvoir continuer le processus d'ACD. Par contre, tout est déjà vendu, les gens sont en train de construire. Voilà, et ceux qui n'ont pas vendu aussi, puisque ce sont les propriétaires du village, ils sont aussi en train de construire. Et là, on va vous présenter encore d'autres terrains. Voilà, on avait présenté 4 terrains collés qui ont été achetés rapidement. Et nous avons encore eu 2 autres terrains collés et 4 autres terrains collés. Voilà. Donc nous sommes là. Sur Téléafrique, on nettoie toujours nos terrains au niveau de Yamsoukro, puisque c'est accessible, on les nettoie et puis on vient les filmer pour vous les présenter. Voilà. Voilà, nous sommes sur le site. Et tout de suite là, je vais tourner la caméra pour vous présenter les terrains qui sont disponibles. Je suis en maillot, hein, la Côte d'Ivoire joue aujourd'hui. Et j'espère que on va gagner. Même si je suis un supporter mazo. Allez, je tourne la caméra. Voilà, donc nous sommes sur le site. On vous avait présenté ces 4 terrains là, collés. Ce qui est nettoyé là. Voilà, juste à côté de la maison. Mais ces 4 là sont déjà partis. Celui aussi, il est déjà parti. C'est sur ce terrain là que je vous ai dit que nous allons faire les duplex. Jumelé ici à vendre. Voilà. Ici, c'est un projet pour faire des duplex. Juste derrière la maison là, on va faire 2 duplex jumelés ici à vendre. Donc, ce sont des terrains de 500 mètres carrés. Ça, les 4 collés qui forment un carré parfait sont partis. Et là encore, nous avons encore 4 terrains collés. Encore le même schéma. Voilà. On a 4 encore ici collés dans un angle. Et puis, un peu plus devant, nous avons. Un peu plus devant, nous avons 2 terrains collés. Voilà, comme ça, les herbes que vous voyez ici, là, c'est une rue hein, qui va au goudron. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'agrandissement du village Dougounou Kouadiokro, un village communal de Yamsoukro, mais qui est devenu un grand quartier. Ici, nous sommes encore très, 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 très loin de Gestossi. Hein. Gestossi est encore devant. Or, aujourd'hui, quand on dit terrain à Yamsoukro, c'est vers Gestossi et autres. Donc ici, il y a 2 terrains collés ici encore. Vous voyez la bonne qui est là-bas. C'est ça qui est nettoyé ici. Là. Vous avez 2 terrains collés ici. Voici les cars que vous voyez passer là. C'est sur le goudron, le grand boulevard. C'est le bitume. Voilà. Donc tout ici là, il y a déjà l'eau, il y a l'électricité. Les gens sont en train de construire pour habiter dans leur maison. C'est l'agrandissement du village. Voilà. Donc, si je peux le dire ainsi, ou bien l'agrandissement du quartier. Donc là, voici quelqu'un d'autre qui est en train de construire ici. Donc ça, c'est pour. Ce sont des terrains qui sont prêts à être exploités. C'est pour maintenant. Donc les gens qui sont prêts pour construire là. Ceux qui cherchent les terrains pour construire maintenant et puis mettre en location, c'est ici. Vous avez tout, le réseau téléphonique, l'électricité, l'eau, vous avez tout ici. Voilà, c'est juste les voies qui ne sont pas encore bitumées. Donc tout ça, c'est des constructions des gens. Voilà. Donc tout ça, c'est des constructions. Donc ceux qui sont prêts maintenant là, qui veulent construire, c'est ici. Ici, dans ce quartier là, studio, c'est au même prix comme Yamsoukroville. Les studios, vous pouvez mettre ça en location à 50 000 francs CFA. Voilà, 50 000. 2 chambres salon, 100 000 francs CFA. Ça dépend des finitions. Si c'est bien fait, même 150 000, on peut louer. Donc, la brousse là, c'est ça on dit terrain. C'est quand tu payes, tu mets maison dessus, c'est fini. Ce n'est plus brousse. Donc, tout ça, c'est l'outil. Avec les bornes, tout est là. Ceux qui sont intéressés, vous contactez le numéro WhatsApp de Téléafrique qui est affiché. Vous venez à Yamsoukro au bureau, si vous avez un représentant, il vient visiter les terrains là. Mais ça va tellement vite que quand vous retardez,
vous risquez de ne pas avoir ces terrains. C'est ce qu'on appelle opportunité. Voilà, donc nous ne sommes pas des démarcheurs pour dire qu'on vous a mis en relation, vous avez fait une affaire, ni vu, ni connu, non. C'est une entreprise qui existe légalement. Nous achetons, les gens ne nous confient pas leur terrain, nous achetons. Donc si vous avez payé ou pas, les terrains là nous appartiennent. Voilà. Donc c'est un très 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 beau site. Un site de l'avenir. Ici vous avez un grand boulevard même qui passe ici pour aller à l'aéroport de Yamoussoukro. Donc vous voyez les choses là comme ça. Tout ça c'était la brousse. Mais voici les maisons qui ont commencé à pousser. Il y a d'autres même qui ont déjà fait leurs maisons de l'autre côté. Voilà, c'est un site qui est bien plat. C'est ceux-là qui vont en bénéficier au maximum. Et là, les quatre terrains collés encore sont là. Voilà, vous avez la borne qui est là-bas. En haut. Donc, il n'y a aucun obstacle ici. Celui qui est prêt, il vient nous contacter facilement. Et puis, voilà, la vente est conclue. Vous avez votre terrain. Et nous, on a notre argent. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Voilà. Merci et puis à très bientôt. Latino, que ni te talas a la viña en su